Et bonsoir à tous, bonsoir, bonsoir. Nous sommes le samedi 2 janvier, bonne année, bien sûr, bonne année. Du coup, aujourd'hui, c'est Spiritfarer. Ça fait depuis quelques mois que j'ai pas joué, je m'en excuse. J'étais bloqué à un moment et du coup, j'ai arrêté. Mais on va continuer et on va pas attendre. On y va tout de suite en ligne. Capture de jeu. On était. On prend la fenêtre, Spiritfarer. Normalement, ça doit s'afficher. Tada! Incroyable! Et du coup, continuer. C'est parti! Du coup, je sais ce qu'il faut faire. Faut amener Stanley. Chasse-brouillard, voilà, il faut des tissus de soie et pour la soie, faut planter un mûrier. Du coup, faut un jardin construire. Non, pas un jardin, un verger. Planche de chêne. Est-ce que j'ai du chêne? On y va tout de suite, hein. C'est vraiment planche de chêne, ouais. Ok, il en faut. Bon, on va couper du chêne, hein. C'est parti. J'espère du coup que vous avez passé de bonnes fêtes. Que ça s'est bien passé. Moi, ça allait. J'ai pas eu beaucoup de cadeaux, mais je peux pas dire. Je vais pas me plaindre, on va dire. Mais du coup, comme j'ai dit, j'espère que vous avez passé une bonne fête, un bon réveillon. Mais que vous avez fait attention quand même. Hein. Il y a encore Covid et tout, mais. Du coup, c'est bien de faire attention à ça, mais. Le plus important, c'est de faire attention à la famille. Et de s'amuser. Moi j'ai de la chance, je peux voir ma famille, une grande partie de ma famille. Alors je suis content, très content. J'ai beaucoup rigolé. J'ai passé de bonnes fêtes, voilà, tout simplement. Oh, le jeu il m'avait quitté un tout petit peu là. Voilà. Voilà. Vous me dites si c'est trop fort, mais je pense pas. Voilà. On a nos planches de chêne, j'imagine, j'espère. Moi et mon frère, on est des gens pratiques. On demande quelque chose, tu le livres. C'est simple. Mais il y a quelque chose qu'on ne devrait même pas avoir à demander. Tu sais ce que c'est? De la nourriture, les gens mangent. Normalement, genre 3 fois par jour. On peut pas quitter ce bateau et aller au snack bar. Et là, j'ai peut-être l'air fâché d'être ici. C'est parce que je le suis. Il ne me nourrit pas, ok, ça peut aller. Mais mon frère, ça ne marche pas, Scout. Sors d'ici, rapporte-nous une foutue guédie de homard. Guédie de homard. J'imagine que j'ai la recette, ouais. On va d'abord faire ce jardin pour qu'on puisse avancer. Ce verger, pardon. Du coup, verger. Voilà. On va le planter. Bonne question. Où est-ce qu'on le plante? On peut le mettre là, comme ça. On va faire ça. Modifier. Ah, je peux pas? Voilà. Et ça, je peux le descendre, non? Voilà. Ah mince, y a ça. Mais c'est tellement haut, ça. Pourquoi c'est aussi haut? Bon, c'est pas grave. C'est bien comme ça. Alors, du coup, on va planter ce mûrier. Normalement, c'est ça, hein. Il faut planter. Graines de mur, voilà. 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que j'ai pas planté? Là, j'ai pommes cerises, pêche. Ah, il manque les olives. Je vais faire les olives. Voilà. On arrose.
Ça fait plus longtemps que j'ai plus joué, hein, de nouveau, je m'en excuse. J'ai eu des cours et choses comme ça, c'était compliqué. Et je voulais faire d'autres choses. Mais je suis là. Et je suis en train de continuer le jeu. Du coup, on va arroser ça. Guédi du homard, du coup on va regarder, je pense il y a la recette. Faut que je me retrouve, ouais voilà c'est. Recette, guédi du homard. Il faut du homard hein, j'imagine, mais. Repas de choucroute, non, papier. Alors, salade de champignons, cocktail de crevettes, muesli, bol de céréales, frites, tataki de thon, guédi de homard, hein. Un homard du coup et de la farine. Est-ce que j'ai un homard? Homard et de la farine. Farine de riz. Farine de blé, on va faire ça. Tiens, une guédille de homard, voilà. J'ai un cadeau pour toi. J'ai trouvé ça dans ma chambre et j'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on est? Amélioration, du coup. Sage, feuille de cristal. Il me faut juste deux feuilles de cristal. Et du tissu de soie, du coup. Améliore sa maison, ouais. Améliorer. Ah, c'est ça. Feuille de verre transparent et tissu de soie. Ouais, du coup, là, la soie, il en faut beaucoup. On va regarder en attendant. Bah, du coup, les feuilles de cristal. Faut des feuilles de cristal pour. Feuilles de cristal 2. C'est là, non, c'est pas là. C'est là. Lingot de zinc. Est-ce que j'ai du zinc? Je cherche quoi? Lingot de zinc. Du coup, pour une feuille de cristal, faut quoi? Poudre de silice. Lingot de zinc. Je vais faire un peu de poudre de silice. Deuxième poudre de silice plutôt. Je pense que c'est le quartz, hein. Voilà. Du coup, deux lingots de zinc. On va d'abord prendre ça, c'est prêt. Talang. Ah, j'en ai fait deux. Ah. Alors, deux lingots de zinc, du coup. 5, 1, 2. Voilà. C'est vrai que ça m'avait un peu manqué le jeu. Il y a un peu de trop de grind pour moi, mais. Mais j'ai quand même envie de finir l'histoire, quoi. Mais c'est dommage que j'ai fait cette grosse pause, mais j'étais un peu obligé, quoi. J'ai bien coupé mon micro, oui, j'ai bien ouvert mon micro. Parce que sinon, ça aurait été. Ah, du coup le cristal, oui. Feuille de cristal. Voilà. Feuille de cristal. Petit câlin. Ça fait plus longtemps. Et c'est une des principales mécaniques du jeu, alors faut en profiter, hein. Hop là!
Oups. Feuille du cristal et on en fait une deuxième. Voilà. Nourrir. Pas quoi de nourrir. Je peux te nourrir n'importe quoi en plus, alors tiens. On va prendre un peu de lait. Désolé madame. Ça, ça a fini normalement. Oh, voilà. Oh, oh, oh. Voilà. Allez. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, maintenant, faut juste. On va faire pousser le mûrier. On va essayer en tout cas. C'est juste là. Y. Voilà. Ouais, voilà, il y a déjà la petite pousse. Ah, ça m'avait manqué ces musiques quand même. Hein. Cette ambiance très posée et. On saute entre des bâtiments et j'aime beaucoup. Je me demande si jamais ils vont sortir une sorte de DLC pour Spiritfarer. Ah mince. Avec plus de zones du coup et plus de nouveaux esprits, qui sait. Bam, param, 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 bam, 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 param, 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 bam, bam. C'est d'eau, voilà. Et du coup là on a notre mûrier, on va aller dormir. Encore besoin d'eau vous, et ben. À dire bonjour à tout le monde demain matin. Attends, je suis encore choqué de l'adieu de Atul. On n'a même pas pu lui dire au revoir, il est parti comme ça. C'était trop triste. En plus, après avoir dit au revoir à Giovanni. Ça m'a fait déprimer quoi. Ouais, c'était là. Moi aussi. On va doucement vers Albert, hein, je pense. Chantier naval, hop. On y va doucement. C'est quoi qui est prêt hein? À l'épaule peut-être. Voilà. 4 œufs. 4 œufs. Pardon, œufs. Des œufs. C'est des œufs. Bon, j'ai pas besoin de. Je vais en garder. Ouais. Voilà. Je dois attendre. Hein. On va prendre ça en attendant. Voilà.
essayons des trucs, hein. Du coup, sinon, ben, améliorer la maison, donner à Rudy. Ah, voilà. Guédi le homard. Ouais, on va les réveiller. Je sais pas où ils sont. Oh! Oui, Scout, ben, arrêtez de bouger. Mon frère est en train de mourir par ici, on a besoin de nourriture et c'était pour il y a 30 minutes. Bah tiens justement. Ta guédille de homard. Bon, tu as bien pris ton temps. Attends, c'est quoi ça? Il y a du poisson dans une guédille de homard. Mickey ne peut pas manger ça, il est allergique. Peut-être qu'on crève de faim mais on ne mange pas ça. Mickey ne mangera pas quelque chose qui peut le tuer, Scout. Il veut quelque chose de plus traditionnel, pas de ces poubelles de luxe. Tu sais quoi? Il y avait cet endroit à Woodbridge. Ils avaient un slogan magnifique. Qu'est-ce que c'était? On s'en fout. Il faisait le meilleur poulet frit. Alors, amène-nous du poulet frit. Ne traîne pas ici, Ico. Bonjour. J'ai des visions de mes repas passés. Ça ne peut pas être bon signe. Je suis désolé. Tu veux des fruits pochés? Merci, capitaine. Ce repas est nourrissant. Un petit câlin. Je suis désolé. Bien, bien. C'est là, Pichounette. Je suis si fatiguée, si vieille. Je ne peux plus. Je ne peux plus continuer. Je ne peux plus aller plus loin. Me ferais-tu une faveur? Amène-moi là, mon cœur. Amène-moi là où ça se termine. Tu veux un tarte aux cerises? Merci, Pichounette. Bien calme. Je suis désolé. C'était un beau câlin, si je puis dire. Tu as une collation ou un truc du genre? Un petit conseil, grand chapeau. Tu devrais toujours avoir un biscuit avec toi. Ou de la purée de pommes. De la purée de pommes. Ah, c'est québécois, hein. Ce serait de la compote, ici. Waouh, merci, c'est si bon. Petit câlin. Oh, waouh, comme tu es doué. Voilà, là c'est prêt. Ragoût de mollusque, ouais, bon. C'est un peu compliqué de faire des nouvelles recettes et tout. Ah, c'est des bonbons. Allez, j'ai besoin de tes murs là, j'ai besoin de soie. Je vais aller regarder pour l'améliorer. Améliorer leur maison à eux. Je sais plus ce qu'il me faut. Améliorer. Mince. Feuille de verre transparent et tissu de soie. Du coup, il me faut de la soie, ouais. Donne à Bruce du poulet frit. Ah, ça, on peut faire par contre du poulet frit. Y'a pas un dash normalement? Ah, je l'ai pas encore. Recette poulet frit. Curry de poisson. Poulet frit. Bien gras. Du poulet. Ok. Ah, du coup, viande. Poulet et du gras. Ah, il me faut une huile ou un truc comme ça. J'ai pas d'huile. Je n'ai pas d'huile. On va en faire un peu. Psst.
C'est parti. Bang, 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 bang. Oups. Bien, voilà. Alors, du coup, poulet. Allô, mon huile. Voilà. Oh, c'est que ça prend du temps. Voilà. Allez, 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 merci. Ah, Street, t'es juste devant moi, c'est pas le meilleur endroit, mais bon, c'est pas grave. Badam bam bam. Avec Daffodil qui chante, j'adore. Voilà, ça pousse, ça pousse. Ça a poussé, on dit. Mais maintenant faut que j'attende J'ai combien de lueurs là? Ah je peux ouais. Bah on va agrandir le bateau. On va déjà aller chez Albert, ça fera. Hop là. C'est parti. Tant tout signé, fais attention aux gens que tu croises. Hein. C'est une bande de pâtes molles. Oh là, je suis marrant. Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse. Là où mes prêts sont les meilleurs amis des clients. Alors de quoi as-tu besoin? Oh, oh, oh. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, ça, merci beaucoup. La baleine brave. Oh, oh. Ça c'est bon. 80% plus vite. Fonction d'expérience. Fergie d'or rose. Du coup il mange juste la soie en fait. Merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup Albert. On devrait utiliser son prénom. Ça sera pas mal. Alors. Ah, le frit, le poulet frit est prêt ou comment ça se passe? Il est prêt. Comme ça. Alors Bruce et Mickey, vous êtes où là? Scoot. Mickey veut des décorations pour la maison, ça va te coûter cher. Ben, tu voulais pas du poulet frit aussi, toi? Poulet frit. C'est plus proche de ce qu'on cherche. Ça coûte exactement comme à cet endroit. C'était quoi le nom déjà? Mickey ne le sait plus. Mais quand même, c'était en plein dans le mille. C'est à ça que sert un scoop d'aller à l'aventure de la bonne bouffe. Ramène-nous ça. Avec un peu de chance, on n'aura pas besoin de me demander la prochaine fois.
Slip de soie, 5. Ah non, c'est en haut du coup. Ah mince. Ça on fait tissu, voilà. Je suis concentré, hein. À 28, mince. Ouais. Que la baleine brave, ça non. Pour la vie, c'est éternel. Galerie de Gustave avec le... Ah, Galerie de Gustave, on va voir. Galerie de Gustave, on va voir. Moi, je suis vraiment pas un bon spirit farer, hein. Amélioré. Celui-là. Pile de soie. Ah bah. Pan de Edgeboro Lane. On va aller à Edgeboro Lane pour voir. Plutôt c'est là, non? Park Embertown, Oxbury, plus bas, non? Edgeboro Lane, voilà. Et le proche, c'est pas ça. Ah. Là-bas! Attention! Ah non, c'est bon. Bon, j'ai pas éternué au final. Je suis là. Ah mince. Voyager s'il te plaît. On va là. Dankeschön. Thank you very much. Merci beaucoup. Y'a pas aussi un endroit où je peux... C'est pas là... Sanctuaire, j'ai déjà pris. Coffre à plan, coffre rare... Ouais... Enfin, je pense là j'ai tout. Rive de Flotsam, coffre rare, ouais... Impasse du Corboïque, ouais. Ah, oh, c'était il y a longtemps ça, la passe du Corboïque. Oh, sérieux, on s'arrête plein dans la boutique, quoi. Bon, on va dormir. Comme ça. Comme ça, on peut repartir vite. Pour éviter la pluie. Je crois qu'on l'a évité là. Diding. On dirait que le cellier a fini. Et on peut repartir. Alors oui, du coup, après ça, vers 20h30, on verra bien. C'est du cyberpunk. Praxatix m'a... Comment dire, on a négocié. Parce que j'aime beaucoup cyberpunk, mais j'ai pas...
Ça prend. Ça demande du temps en fait, Cyberpunk. C'est genre beaucoup de dialogues et choses comme ça, alors. Et bah, du coup, j'ai pas forcément eu le temps de jouer ou comme ça. Et du coup, il m'a dit ouais, si tu joues à Cyberpunk, si tu le stream, je te host. Quand il a fini. Du coup, j'ai dit ah oui. Oui. Là, oui. J'ai envie d'avoir affilié. Je suis tellement proche en plus. Désolé madame. Madame la vache. Merci beaucoup. On est arrivé. Edgeboro Lane. Du coup apparemment il y a quelqu'un ici avec qui je dois parler. Allons voir. Dégage. Ok. Non, merci. Continue de marcher, espèce de déviante. Tu en as? C'est toi? Je suis le roi de lézard. Non, c'est pas toi. Besoin de quelque chose, ma chérie? Du bon temps, peut-être? Non? Bon. Ne sois pas timide, je suis toujours ici. Ah, tu m'offres des services de ma vue. La fin de l'automne, c'est un classique. Les autres titres sont stupides. Ils devraient connaître la chanson et son nom. C'est ça, super. Tu en as fait du beau boulot. Tu as trouvé la partition de la fin de l'automne. Maintenant, fais-la résonner. Va jouer la chanson au centre, là. Que cette folie s'arrête. Unissons-nous. Au centre. Cette chanson, c'est de la bombe, menteur! Il y a les grands et il y a les petits. Magnifique. Extraordinaire! Tu es assurément une roqueuse, je te l'avais dit. Je leur avais dit. C'est la même chanson, merci d'avoir tranché cette question. Maintenant, ces soi-disant amateurs de musique vont nous foutre la paix. Ouais! Ok, c'est fait. Du coup, j'ai. Aussi, j'ai rien. Et voilà, on repasse sur le bateau, sur le Toba. Alors, là il faut attendre de la soie de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a à manger pour le lunch et collation, un truc du genre, un petit conseil en chevaux. La purée de pommes. Oups, j'ai trouvé ça dans ma chambre et j'ai pensé que tu en aurais peut-être besoin. Merci beaucoup. Tu veux de la nourriture? Popcorn? Ouah, merci, c'est si bon. Il aime les petits déjeuners. Un petit yaourt. Merci Bichounès. Le manque de nourriture sur ce vaisseau est assez déprimant. Pardon monsieur. Je vous ouvre un œuf et bacon. Merci capitaine, ce repas est nourrissant. Bien, bien. Je sais pas pourquoi, mais je pense beaucoup au passé ces jours-ci. Toutes ces images me reviennent, veille la nuit. Je pense à toutes ces horreurs durant la guerre, à tous mes amis qui sont morts.
à la joie de la libération. Et évidemment, je pense à ces enfants que nous cachions dans le sol de l'usine. Grand-mère, suivez-moi. Sauvez-moi. J'étais si jeune, quelques années de plus que seulement. 16 ans? 17 ans peut-être? Je ne comprenais pas ce que je faisais. Tout ce que ça impliquait. Tous les risques. Mais j'étais jeune et je ne voyais pas d'autre option. Je ne pouvais pas laisser ces enfants dehors. Ils avaient si peur. Ils étaient si petits. Ils connaissaient presque tous leurs parents. Aucun donner une. Un câlin illumine ma journée. Soupe aux nouilles, comment on fait ça déjà? Je vais faire son aliment préféré avant de partir. Soupe aux nouilles, farine de riz. Farine de riz. On va faire ça en attendant, voilà. Merci, merci. Attends, ça donne beaucoup de fruits, hein. Ah, manger des fruits de mer, il n'a pas aimé ça. Ouais, ben, cuisine du bistrot. Aliment à un ingrédient allergique aux crustacés. Et la choucroute. Ah mince, mais... Oh, je suis trop bête. Bon, on va voir. Voilà. Je crois que je vais réarranger le bateau hein. En attendant. On va mettre les... Non, pas là. C'est pas là. On va mettre tout ça devant en fait. On... Du coup à l'arrière peut-être pas. Plus vers l'arrière. Je voulais dire. Genre laisser aux habitants l'avant du bateau et puis ben. Voilà. Est-ce que je peux... Ouais, il y a plus simple, je pense. Non? Ouais, bon. Je pensais que ce serait plus simple à la souris, mais... Bon, peut-être que si. Je sais pas. Alors, attends. Attendez. Voilà. Ça va, ouais. Voilà. Ça du coup. Euh...
casseur. Ça. Et que ça prend du temps tout ça. Hein. Ça, Gustave, désolé, je passe la parole pour l'instant. Ok, alors que ça, la chambre de Stanley ici. En fait, c'est du puzzle, quoi. C'est juste les cuisines et le... Ok. Voilà, comme ça, du coup, là, un verger. Là. C'est un peu moche, on va pas se mentir. Mais... Désolé Gwen. Ouais, c'est le meilleur endroit. Et Astrid, t'as bien vu que ça... Mais là, Gustave, peut-être, hop, comme ça. Voilà. Thank you.
comme ça? Ouais, c'est pas mal. Hop. Du coup, fait trop noir pour naviguer, mais... Par contre, j'ai pas déplacé la tyrolienne, on va voir. Non, modifier. Modifier. Tyrolienne. Comme ça? Comme ça. Ça m'a l'air bon ça. Bon, ça change pas mal tout l'agencement et tout, mais... J'espère que ça... Oui. Du coup j'ai les nouilles de... Prendre les fruits là. Ça. J'ai de la soie. Voilà. Du coup, il me faut 8 fibres de soie et il faut encore un peu de tissu. Ok. Que je me souviens d'où est-ce que j'ai mis. Du coup, fil de soie, ouais, bon. Améliorer, du coup, Gustave. Voilà ton bureau. Le tissu de soie, j'ai assez, mais j'ai pas assez pour ça. Tissu de soie, il m'en faut 4. On va voir si ça suffit avec la fibre. Non. Non, non, non. Sinon, qu'est-ce que je pourrais faire? Du coup, améliorer. Est-ce que je peux... Deux lingots d'argent et deux de feuilles de verre transparent. Deux lingots d'argent. Alors, argent, argent. Est-ce qu'on a argent? Ah, ça doit tourner au début. Oh, l'argent, c'est tellement chiant à prendre, quoi. Y'a pas plus simple. Et voilà. Ouf. Voilà, j'ai deux lingots d'argent. Hop. Feuille de verre transparent. Poudre de chaux et poudre de silice. Et il en faut 2. Bah, du coup... Allez.
Ah, je peux aller plus rapide. Poudre de chaud et poudre de silice. Du coup, chaud, j'imagine, c'est. On va déjà aller là. Poudre de chaud, j'imagine, c'est calcaire. C'est ça. Et poudre de silice, c'est quartz. Voilà, bon, et... Voilà, c'est fait. Du coup, il manque juste. Ouais, mais j'ai pas envie de. C'est qui? C'est Gustave? Regarde ça! Il est finalement là, regarde! Regarde ses courbes, regarde l'imbrication parfaite des matériaux. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Je serais capable d'accomplir mon travail immense de façon bien plus confortable et plus glamour. Maintenant, je peux trouver moi-même les pièces les plus petites. Mais nous devrons usiner les pièces les plus grosses, comme le bureau nous-mêmes. Lorsque j'aurai reçu quelques designs de mes collaborateurs, je te les donnerai. Je suis sûr que tu seras, comme toujours, parfaitement capable de les exécuter. Bon, vous savez quoi? On va améliorer ceci, comme ça c'est fait. Quelque chose qui frappe fort. Parler à Bruce et Mickey. Canopée obscure. Chantier naval de la berge, j'ai toujours pas. Petit du pont, ouais. Du coup, il me faut juste la soie maintenant. Mais je dois attendre. Je dois attendre. C'est là normalement. On va voir si ça. Oups. Mince. Ça... Bonjour Stanley. Scoot, viens ici. Mickey adore ça. C'est exactement son genre. Ne lui dis pas ça. Mais il veut éclipser Roméo. Tu ne le connais pas? C'est ce gars du South Shore. Il a des goûts de luxe. Il a cet horrible manoir. Il se vend toujours en ville de sa maison. Mickey le déteste. Écoute, si tu as assez travaillé là-dessus, on devrait aller quelque part, se sortir un peu et relaxer. Laisse-moi demander à Mickey et penser à un plan.
Alors. Mickey a eu une idée. Il paraît qu'il y a un endroit qui s'appelle les sommets bruinards. Mais ça ne devrait pas être Twanlity. Mickey, pense que tu... bon, on pense tous les deux que tu as fait un boulot décent. Écoute, on t'a demandé beaucoup. Prends ça comme notre récompense. Un petit séjour de camping pour tes efforts. Une sorte de reconnaissance pour ta discrétion en affaires. On a en fait jamais fait de camping. Mais on fait ça pour te faire un cadeau. Alors, allons voir des roches, des arbres et d'autres commodités. C'est là-bas. Ok. Graines d'oignon, graines de tomate, graines d'ail, graines de pêche. Sommet bruit noir. Camper en Cadillac. Bah du coup là, il faut de la soie encore. Hein. On attend. En attendant, je vais faire ça. Voilà. C'est décalé, c'est bizarre. Pourquoi c'est décalé? Bon, c'est pas grave. Rien d'important. Oui, pardon, Stanley. J'ai faim. C'est illégal de laisser les enfants avoir faim. Désolé. Les petits déjeuners, t'aimais bien, toi. Les bacon. Waouh, attends. Est-ce que tu lis dans les pensées? Es-tu sûr que tu n'es pas dans les pensées? Oh d'accord, ok, je te crois. J'adore, je pourrais manger ce petit déjeuner toute la journée, tous les jours. Hey yo yo. On va repartir direction... Direction le chantier naval. Hop, je vais faire un truc, je crois. Ok. C'est parti. J'ai un noble, j'ai deux fleurs d'esprit. Non, ça ira, merci. Désolé Giovanni. C'est beau hein. Je peux pas dézoomer, c'est dommage. Là, je sais plus ce que je peux mettre. Bon, on va mettre. Hop.
patate. Et voilà, on arrose de nouveau. Tu veux de la nourriture? Je peux te donner des cerises. Bonne année Yvan, bonne année. T'as passé de bonnes fêtes? Et comment ça va aussi? Comment ça va? Et est-ce que t'as passé de bonnes fêtes? Voilà. Moi aussi ça va, merci. J'ai passé de bonnes fêtes, j'ai bien rigolé. Ouais. Oh, je sais pas. Ouais, voilà. J'ai passé une bonne fête. Je les ai passés avec la famille. Du coup, j'avais pas trop le temps de stream pendant les vacances. Non, avec 3 avec tes parents. Ok. Oh là là. Ah, on passe, ouais. Ah, mais t'étais avec tes parents. Moi, j'étais avec ma mère et mon frère. Du coup, on était. Mais il y avait d'autres. Il y avait des cousins et grands-parents aussi. On était tous isolés, genre depuis une semaine déjà, alors ça allait. Ouais, pas de... Et du coup, ouais. C'était cool. Et du coup, je pense que t'as vu dans le titre, mais après ça. Ah, t'habites avec eux, ouais. Bah, tu vois, moi aussi j'habite avec eux normalement. J'habite avec ma mère et mon frère, mais vu que je fais mes études autre part, ben c'est pas le cas ces temps-ci. Mais sinon, normalement, je suis avec. J'ai pas de boulot pour me prendre un appart ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore mon cas. Ouais, je suis tout seul que pour les études en fait. Et du coup, vu là que ça reprend bientôt, ça prend lundi. Je suis posé. Prends-toi, ouais. On va aller au soleil éternel. On va aller dire au revoir à Astrid. On va lui donner son. Moi j'ai bossé 5 ans de nuit au SMIC de jour, donc chaud pour la part, je préfère mettre de l'argent de côté, ouais. 5 ans de nuit au SMIC. Ah, ok. Je vois, je vois. Bah, moi, je sais pas, bosser de nuit. Contre-aidé, ouais. Ah, tu vois, j'ai pas vraiment encore eu d'expérience au travail. À part les stages, mais encore ça, les stages. J'ai un bol de nouilles. Tu veux un bol de nouilles, Astrid? Une soupe aux nouilles. Ecosea, tu ne m'entendras pas dire ça souvent, mais tu as fait quelque chose de magnifique, tout simplement incroyable. Je suis si fier de toi. Je me demande même s'il me reste quelque chose à t'enseigner. Sa soupe aux nouilles, c'est mon plat favori. Félicitations. Voilà. Je vais bientôt te dire au revoir. C'était un bon câlin, si je puis dire. Désolé à toi. Ce sera non. La nuit, les fériés ne sont pas prévus. Bon, j'ai eu des primes, mais les nuits normales, j'étais payé du jour. Ah, ok. Je vois ce que tu veux dire. Je vois, je vois.
Alors, est-ce que ça a fini là? J'ai besoin de soie là. Est-ce que ça a poussé? Ah non, ça a pas. Ah si, ça a poussé. Yes. Alors, du coup, on va tisser cette soie. C'est là. Sur la fin, j'étais encore plus mal payé. En revanche, j'ai eu des semaines de récup. Ah bon? Et ben. Bon, écoute, Astrid, désolé, Stanley, ça devrait attendre un peu. J'ai pas envie de te dire au revoir encore. Astrid, elle a attendu. C'est là, nous sommes enfin arrivés. Je me sens si faible. On peut y aller maintenant? Ouais. Ok. Faisons ça. Je ne peux pas attendre plus. Bah, le groupe où je travaillais était repris par un groupe qui respectait plus la loi. Qui respectait plus la loi, donc plus de travail. Ah, ok. Je vois, je vois. Prépare-toi à chialer, Yvan! Le jeu, hein, c'est. Je parle du jeu. Encore moi ça va, il m'a pas trop fait chialer, mais il rentre un peu. Voilà. Bon, moi j'avais tous mes week-ends la dernière année. Ah ok. Hop, c'est parti. Alors. Texte. Paraître. Je ne crois pas que ce soit sage de vivre aussi longtemps, Chouinette. C'est une bonne chose que je n'ai jamais été aussi sage. Mais misère, je suis vieille. Et être si vieille, c'est décourageant. On doit cesser d'être vieille à l'extérieur. Et pourrie à l'intérieur. Et ça fait si mal. La vie, c'est la souffrance. Difficile. Le monde est maudit. Mais quand même, on trouve des raisons pour rester vivante. Surtout quand tu passes de nuit. Rien faire. Oui, voilà. Tu dors le jour et. Je ne regrette rien, tu sais. Je ne regrette pas les luttes. Je ne regrette pas les épreuves, la douleur, la souffrance. J'ai tout vu. Mais tout de même, je ne regrette pas ce que j'ai fait et comment j'ai vécu ma vie. J'aurais juste souhaité que le monde soit meilleur. Meilleur pour eux, pour nous. Mais certainement meilleur pour toi, ma chère. Je me sens comme un vaisseau avec tant de chambres poussiéreuses et de cabines. J'en ai tellement, tant de souvenirs. Certains se sont évanouis, mais d'autres vivront à tout jamais. En toi et en les autres. Je me rappelle leurs visages tordus par la peur. Je me rappelle leur maison et les fêtes qu'ils y ont organisées. Je me rappelle leurs chansons et leur amour. Je me rappelle leur toucher, leur chaleur. Ça s'évanouit maintenant, Pichunit. Disparaît. Tout est gris, tout est blanc, tout est fou. Tout a déjà disparu, je ne vois plus beaucoup. Tu es encore ici avec moi, n'est-ce pas? Tu es encore ici, Stella? Ne m'oublie pas, s'il te plaît. Je me fous de tous les autres. Mais toi, ne m'oublie pas, je te. Je reviendrai et je te rentrerai si tu
Et ça, je sens que ça s'en vient. Au revoir, Stella. Suis ton cœur et garde ton sourire. Oh, ça donne envie de chialer. Street.